Donc, je vais reprendre euh, là où on s'était arrêté hier. Je voyais à retomar entonces donde terminamos ayer. Euh, ce moment dans le commentaire euh, que Foucault fait du texte de Kant. Este momento euh, en el comentario que mm. hace Foucault de Kant. O il euh, semble sortir de l'enquête historique. Donde parece que sale de esta investigación histórica. Je vais commencer par une citation. Voya empezar por una cita. Elle est un petit peu longue. Es un poco larga. Je cite. Je sais ce qu'on parle souvent de la modernité. Sé hablamos, eh, eh, seguido de la modernidad. Comme d'une époque. Como de una época. Ou en tout cas comme d'un ensemble de traits caractéristiques d'une époque. ou como un conjunto de características de una época. On la situe sur un calendrier. La situamos en un calendario. Ou elle serait précédée d'une prémodernité. O estaría precedida de una premodernidad plus ou moins naïf, voire archaïque. Un poco naïf o arcaica et suivi d'une énigmatique et inquiétante postmodernité. Y seguirá de una enigmática e inquietante Et on s'interroge alors pour savoir si la modernité. Y nos preguntamos eh eh entonces para si la modernité constitue la suite de la Aufklärung. Constituye eh el lo lo que sigue lo le sigue a la Son développement ou s'il faut voir une rupture, ou s'il faut voir une rupture, une déviation, une déviation par rapport aux principes fondamentaux du XVIIIe siècle, par respecto a los principios fundamentales del siglo XVIII. En me référant au texte de Kant, refiriéndome de Kant. Je me demande si on ne peut pas, me pregunto si no podemos envisager la modernité, pensar la modernidad. Plutôt comme une attitude que comme une période de l'histoire. Par attitude, je veux dire un mode de relation. Par attitude, entiendo una, un mode de relation. Par rapport à l'actualité. Un choix volontaire qui est fait par certains. Une option, eh, une option volontaire est eh, faite par certains. Enfin, une manière de penser et de sentir. En fin, une manière de pensar y de sentir. Une manière aussi d'agir et de se conduire. Une manière aussi de et de conduire. Qui, tout à la fois, marque une appartenance. Qui, même temps, marque une Et se présente comme une tâche. Et se présente comme un devoir, comme une meta. Un peu, sans doute, comme ce que les Grecs appelaient un ethos. un poco sin duda como lo, lo que los griegos llamaban un ethos. Fin, fin de cita. Alors, je pense il y a deux points de commentaire. Pienso que hay texte. dos comentarios, dos comentarios para hacer en este texto. Premier point. Primer punto. Ce que Foucault décrit au début de la citation, lo que Foucault describe al principio de esta citación, de esta cita, est une posture de recherche possible, Es una postura de investigación posible. Qui est un peu comme un autoportrait de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Que es un poco como un auto de lo que hizo hasta el presente, hasta ahora. Travailler la modernité. Trabajar la modernidad. Comon travaille une époque. Como se trabaja una época. Ou comme un ensemble de traits caractéristiques d'une époque. ou como un conjunto de características de una época. Situer cette époque sur un calendrier. Situada esta época en un calendario. Toutes les analyses foucauldienne, todos los análisis foucauldianos, ont toujours procédé dans ce sens là, siempre han, han ido en ese sentido, en définissant des époques, definiendo épocas, des, des âges, de eh, era, eras edades, des très caractéristiques, características, des spécificités, especificidades. Ce qui est très étonnant, c'est <coughs> que c'est précisément de cela, es eh, lo que es sorprendente que justamente esto desde ahí que Foucault semble vouloir se libérer. Okay, de lo cual Foucault eh, quiere liberarse. Foucault semble vouloir se, se débarrasser. El quiere deshacerse de la limitation de son travail. De las limitaciones de su trabajo. Comme une archéologie. Como una arqueología. C'est-à-dire la reconstitution de ce qu'il appelle un isomorphisme. Es eh, la reconstitución de lo que él llama un isomorfismo. Dans l'histoire. En la historia. C'est-à-dire une sorte de nappe de savoir et de pratique passées. C'est-à-dire une espèce de mantel, d'une de capa de eh, los saberes et las épocas passadas. Des pratiques passées. En somme, l'archéologie, c'est l'histoire d'un système de pensée. Entonces, en résumé, l'archéologie est la histoire d'un système de pensamiento. sur fond d'une périodisation précise. Fondée en une périodisation précise. Mais Foucault semble vouloir se débarrasser aussi. Mais Foucault parece también quererse, eh, deshacer de la généalogie de la généalogie c'est à dire à partir des résultats de l'archéologie à partir des résultat de, de l'archéologie une deuxième enquête une seconde investigation uh, relancée par différenciation retomada à travers de la différenciaciones en direction de notre propre système de pensée. En direction à notre propre système de pensamiento. La généalogie, c'est ce qui interroge la différence la es aquello que interroga la diferencia entre un ou plusieurs passés et notre propre présent. Y nuestro propio presente. Si je m'intéresse à une période, c'est de l'archéologie. Si, si je m'intéresse à la différence entre cette période et propre temps me a la, a, si me interes en un periodo y mi propio tiempo c'est de laaalogie esa es alors Foucault semble vouloir se débarrasser aussi de cela il parece, parece querer también deshacerse de eso. Il faut un troisième terme. Un terme. Et le troisième terme, je le disais hier, c'est le terme attitude. Que Foucault introduit dans cette citation. Que Foucault ya en esta cita. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une attitude? attitude Ce que dit Foucault, c'est que cette attitude paraît devoir se construire. Lo que dice au-delà, ou en tout cas de manière indépendante par rapport à. Allá, ou quizás de manera independiente con à. A a tout ce travail de périodisation. A todo este trabajo de périodisation qui était au cœur de la démarche foucauldienne. Qui estaba al corazón de. Eh, este, el trabajo Elle semble, cette attitude, ne plus dépendre d'une histoire. Que esta ya no depende de ninguna historia. Elle semble jouer à un autre niveau. Pa jugar en autre niveldilique et Fouca dice ella et une éthique éthique. Mais cette éthique à son tour cette éthique au temps n'est pas du tout l'objet d'une enquête archéologique. n'est no pas nada l'objet d'une investigación aréologique. Foucault a fait ce genre de travail. Foucault ya este tipo de trabajos sur les, les, les différentes éthiques grecques, par exemple. Sobre las diferentes éticas griegas, por ejemplo. Ou sur la morale chrétienne. O la moral cristiana. Il a fait un travail d'archéologue. Hizo un trabajo de arqueólogo. Là, pas du tout d'enquête archéologique. Aquí eh, para nada una investigación arqueológica. Pas de reconstitution des partages. Ya no una reconstitución de aquello que comparte ou que se comparte. Qui permettent à un moment donné à une certaine manière de penser que a un, eh, dado, un tipo de pensamiento, et un certain type de pratique de l'éthique d'émerger. De de Cette attitude, elle se donne en dehors de toute référence précise à telle ou à telle autre configuration de pensée. A esta, o este otro, eh, esta otra configuración de pensamiento. de Qu ce que les Lumières? En otra versión del comentario de eh, ¿qué es el iluminismo? C'est-à-dire dans l'extrait le, de la leçon du 5 83, es decir, en la parte de la, la lección de, de, enero 5 de, 19, 5 de enero de 1983, Foucault de la même Foucault eh, piensa alrededor de la misma idea. Je cite. Après tout, Luego de todo, il me semble bien que la à la fois comme événement singulier et comme processus permanent, a la vez comme singular et comme processus qui se manifeste dans l'histoire de la raison, que se manifiesta en la dans le développement et dans l'instauration de formes de rationalité et de technique, l'autonomie la la et l'autorité du savoir la n'est pas simplement pour nous un épisode dans l'histoire des idées. On sort de l'histoire des idées. Salimos de la historia de las ideas. Ce à quoi invite le texte de Kant, Kant c'est donc un type de questionnement es a un tipo de qui traverse l'histoire bien plutôt qu'il n'en dépend. Más temprano de lo que, de lo que depende. On est exactement dans la même situation qu'à la fin du cours. Nous sommes exactement au même moment que au final du cours du 22 février 84, del 22 de febrero de 1984 Juste avant le fameux 29 février del 29 de febrero dont j'ai parlé hier Tout se passe comme si, comme si Foucault avait dû reconstituer toutes les nappes de pensée Foucault a dû reconstituer todas las capas de pensamiento rendre visible leur caractère spécifique c'est à servir visible sus caractères específicos c'est-à-dire mettre en évidence les différences entre les différents systèmes de pensée es decir poner evidencia las diferencias entre les différents types de pensamiento l'archéologie archéologie, archéologie non puis sur la base de ce travail y luego sobre la base de este trabajo comme s'il avait fallu se poser le problème como si, hubiese, como si hubiésemos tenido que hacernos la pregunta, o, eh, eh, ponernos el De notre propre situation historique. De nuestra propia situación histórica. De, notre de, représentation, de nuestro propio sistema de representación. De nuestro propio sistema de representación. C'est-à-dire mettre en évidence la différence. Decir, en evidencia la diferencia entre le système de pensée qui est le nôtre. Entre nuestro sistema de pensamiento euh, et ceux qui les avaient précédés. Y aquellos que nos precedieron. Et ça c'est la généalogie. Y eso es genealogía. Et puis finalement, troisième moment, et, et finalement, un moment, essayer de penser une forme d'interrogation philosophique, tratar de pensar una forma de interrogación filosófica, qui prend l'actualité pour matière, que toma la actualidad como materia, mais qui s'intéresse pas du tout sur la différence avec le passé, pero que no se interesa para nada con la diferencia con el pasado, ou par rapport à ce passé, o con relación a este pasado. Et qui est beaucoup plus intéressée par ce que Foucault appelle dans la citation que j'ai lue tout à l'heure eh, la, la permanence d'un processus. La permanence d'un processus. La constance d'un processus permanent. La Et c'est là que la lecture de Kant. Euh, et c'est ce que la lecture de Kant bifurque, bifurca. au moins en partie, hors de son propre contexte. Al menos en parte fuera de su propio contexto. Encore une fois, je cite le y, morceau de Foucault. Et une fois de eh, plus, je cite eh, la partie de Foucault, le morceau de Foucault. L'Aufklärung n'est pas simplement pour nous no es para nosotros un épisode dans l'histoire des idées. Un épisode dans l'histoire des idées. Deuxième point de commentaire possible. Segundo punto de un comentario posible. Sur quoi se fonde cette sortie de l'histoire ¿Sobre qué se funda esta salida de la historia? Je pense que elle est avant tout liée à un déplacement. Yo pienso que antes que nada está ligada a un desplazamiento. Du processus de différenciation, dont j'ai dit à plusieurs reprises qu'il était central, en, en el cual dije veces que es central pour la méthodologie foucauldienne. Para la méthodologie Il faut se souvenir. Hay que dans l'approche la archéologique, en il fallait reconstituer la, la consistance, la matière la la historique d'un isomorphisme de pensée de un isomorphisme de pensamiento sur le fond de ce dont il différait basado en el, c'était en réalité la reconstitution d'une émergence. Era en realidad la reconstitución de una emergencia. Uh, et le mot émergence est souvent utilisé par Foucault. Y este, esta palabra emergencia eh, eh, está seguido, se, se la utiliza Foucault seguido. On a l'impression c'est comme une île qui sort de l'eau. Parece ser como una una isla que sale del agua. Et cette île c'est un isomorphisme, une épistémie. Y, y esta isla es un isomorfismo, un episteme. Alors, on pourrait dire que cette première configuration, c'est euh, le modèle des mots et les choses. Es el de las y las cosas. Mais c'est en réalité aussi le modèle de l'histoire de la folie. En <coughs> el de la de la locura. Il y a une deuxième approche, Hay un, un enfoque, qui est la démarche généalogique, et, es et qui consiste en revanche à prolonger vers nous qui consiste au contraire en prolonger hacia nosotros vers notre propre présent presente, ce travail de différenciation de différenciation par bloc épistémo à partir de blocspisstés ep historis afin de comprendre dans quel système de pensée pour pouvoir comprendre en quel système de pensamiento que nous, nous, nous trouvon nous mêmes sí. nous, nous nous trouvons nous mêmes nous et ça c'est beaucoup plus le modèle des cours au Collège de France. Et c'est beaucoup es plus le modèle de los cursos del Collège de France. À partir de la fin des années 70. À partir de, final de los années 70. Un très bon exemple, par exemple. Un très bon exemple, ben. par exemple. C'est, euh, les cours du tournant biopolitique. Son los cursos de, del giro eh, biopolitico. Puisque, Foucault part d'une enquête sur le passé. Que, eh, Foucault parte de una investigación sobre el pasado. Sur les manières de gouverner. Sobre las maneras de gobierno. Tout, la, tout le travail sur les arts de gouverner. Todo ese trabajo sobre el arte de gobernar. Il arrive à la notion de gouvernementalité. Llega a la noción de gober gobernabilidad. Stabilité. Euh, oui, gouvernementalité. Stabilité. Euh, donc on est encore dans l'archéologie. En on est encore dans la différenciation entre passé et passé. Aún en la entre pasado et, pasado. et puis, euh, à partir de cette différenciation, y luego, a partir de esta différenciation, il remonte vers le présent. Eh, llega, hasta el on pourrait très bien dire, il y a le moment machiavélien. Eh, se peut bien dire, c'est le moment machiavélique. Il y a le moment de la littérature anti-machiavélienne de la literatura anti et des arts de gouverner il y, y a la pensée politique moderne está la, la, el pensamiento il y a la gouvernementalité biopolitique está la eh, biopolitique on s'approche de nous et no Nosotros, entonces, y, et dans la deuxième partie du cours, y en la parte del curso, sur la biopolitique, la qui s'appelle Naissance de la biopolitique, que se de la vous voyez l'émergence. La, la deuxième partie du cours, elle est sur le XXe siècle. La partie du est sur le Et elle est sur euh, les variantes du néolibéralisme. sur les variantes du néolibéralisme. Euh, en Allemagne et aux États-Unis. En Alemania y en Estados Unidos. Euh, vous vous souvenez toutes les pages consacrées à l'ordre libéralisme par exemple. Se acuerdan de todas las páginas consagradas al ordo-liberalismo, por ejemplo. Alors, ce modèle-là est un modèle généalogique parce qu'il est orienté vers un retour vers le présent. Porque está orientado hacia un retorno hacia el presente. Le passé permet de penser le présent. El pasado permite pensar el presente. Donc, on a Différence entre passé et passé. entonces tenemos avons différence entre passé et passé. Archéologie. Archéologie. Différence entre passé et présent. Diferencias entre pasado y presente. Généalogie. Género. Uh, l'outil de la différenciation. et l'outil la herramienta de la diferenciación. Dans le premier comme dans le deuxième cas. En el primero como en el segundo caso. Ça reste l'histoire. Permanece historia. Le présent fait partie de l'histoire. El presente hace, eh, forma parte de la historia. Dans le troisième cas, en el caso, cette différence, elle va se déplacer hors de l'histoire. Va fuera de la historia. Le travail de la différence, de la va déborder. Va a Et ce qui est intéressant, c'est que Foucault attribue à Kant lui-même es que cette sortie de l'histoire. de En réalité, c'est foucault lecteur de kant. en réalité, c'est foucault lecteur de kant. et comme toujours, il n'est pas très important de savoir. Como siempre, no es importante saber si kant a réellement dit ce que foucault lui fait dire, eh, si kant vraiment dit ce que foucault le fait dire, Ce qui est intéressant, c'est que, ce que foucault euh, force kant. lo que es interesante es que foucault forza kant. je cite. Cito. La critique. La crítica. C'est bien l'analyse des limites. Es el análisis de los límites. Et la réflexion sur elles. El, y la reflexión sobre ellos. Je m'interromps un instant. On est dans un commentaire classique de Kant. Me interrumpo un segundito. Estamos en un comentario clásico de Kant. Là, on a pour l'instant du Foucault, historien de la philosophie. Acá tenemos simplemente Foucault, historiador de la filosofía. Phrase suivante. Siguiente frase. Mais si la question kantienne si la kantiana était de savoir quelles limite que limites la connaissance doit renoncer à franchir, a, eh, eh, à oui. il me semble que la question critique aujourd'hui que doit être retournée en question positive doit vuelta en question positive dans ce qui nous est donné comme universel. que nos es universal, nécessaire, obligatoire. Necesario, obligatorio, Quelle est la part de ce qui est contingent est est contingente? Et dû à des contraintes arbitraires. Y a, con, eh, en, eh, a, des, con, des, des obligations. Con, coactions contraintes Co Co eh, arbitraires Il s'agit en somme de transformer la critique Se trata entonces de transformar la crítica exercée dans la forme de la limitation nécessaire ejercida en la forma de la limitación necesaria en une critique pratique Et en la crítica práctica dans la forme du franchissement possible En la forma de el eh, ese ¿cómo era possible le, le, le tournant est tellement important giro es tan importante que Foucault, trois pages plus bas, que Foucault, tres pages más abajo, revient sur ce point a ese punto, et redit la même chose quasiment avec les mêmes mots. Decir casi, casi con las Je recite. Et le L'ontologie critique de nous-mêmes. La ontología crítica de nosotros mismos. Il faut la considérer non certes comme une théorie, Hay que considerarla eh, seguramente no como una teoría, une doctrine comme une doctrine ou même comme un corps permanent de savoir qui s'accumule. O ta como un cuerpo permanente de saber que se acumula. Il faut la concevoir comme une attitude. Hay que concebirla como una actitud, un ethos. Un ethos, une vie philosophique une vie philosophique ou la critique de ce que nous sommes donc de la critique de lo que somos est à la fois analyse historique des limites qui nous sont posées et à la fois análisis histórico de los límites que nos que nos son dados et épreuve de leur franchissement possible y prueba de su franqueamiento possible fin de citation fin de cita. alors la différence dans l'histoire ne joue plus du tout entre le présent. No se juega más para nada entre el presente. Et ce qui l'a précédé. Y lo que lo precedió. Ou entre deux passés. O entre dos pasados. Auxquels nous n'appartenons pas. A los cuales no pertenecemos. ou archéologie. Genealogía o arqueología désormais la différence Ahora, la joue entre le présent lui-même et ce que Foucault appelle le franchissement, c'est-à-dire el el ce qui pourrait à tout moment, decir, aquello que puede, en cualquier momento, de l'intérieur même du présent, desde mismo del presente, le démentir. Lo, eh, desmentirlo le faire basculer hors de lui-même, eh, le faire euh, basculer ouais, hors de, de lui-même, sí l'ouvrir à autre chose que ce qu'il est déjà. Abrirlo a autre chose de lo que ya es. Donc la différence devient Entonces, la différence se convierte ce qui peut être imaginé entre ce qui peut être imaginé à partir d'un présent dont nous faisons partie, partir del parte, mais ce que nous pouvons imaginer. C'est un avenir qui n'appartient pas à ce présent-là. avenir qui ne à présent. Ou en tout cas qui n'est pas totalement déterminé par ce présent-là. Al no Alors, il est évident que la référence à Kant est très précieuse de ce point de vue-là. Es evidente que la referencia a Kant es muy preciosa en ese nivel, a ese nivel, desde ese punto de vista. Hay une seule condition. Con una sola condición, condición. C'est qu'on abandonne le Kant des critiques. Es que abandonemos al Kant de las críticas. Si la question kantienne c'est que puis-je connaître Si la pregunta kantiana es ¿qué es lo que puedo conocer? Que mest permis d'espérer, etc., etc. Que me est permis d'espérer, etc., etc., etc. Que puis-je connaître, puisque c'est la question que je peux connaître, parce que, que puedo, puedo conocer, la question que nous allons retenir ici. Uh, donc la, la première critique. c'est la première critique. Foucault dit. Foucault dit. La question qui nous intéresse nous. La question, la question qui nous intéresse à nous. C'est bien davantage comment franchir ces limites. Es comment franquear estos límites que la démarche critique kantienne avait pourtant fixée. Que trabajo, eh, eh, kantiano, eh, sin embargo fijado. Et alors il faut euh, superposer à la critique ancienne. Le Kant philosophe de l'histoire. de l Le Kant des opuscules sur l'histoire. Et Foucault fait une chose qu'il fait euh, tout le temps dans sa vie. Foucault hace algo acá que hace siempre... En vida, il découpe dans les auteurs qui l'intéressent. Un corta de los autores que le interesan. Les textes dont il se sert. Los textos de los cuales él se sirve. Il isole dans un corpus. A isla en un, cor en un corpus. Euh, ce qui va lui servir d'instrument. Lo que le va servir a él de instrumento. Là aussi, on est euh, à, à l'opposé de l'orthodoxie là-bas, sommes à l'opposto de l'orthodoxie de la philologie, de l'histoire de la philosophie. Il a fait la même chose avec Nietzsche. Il Nietzsche. C'est la grande différence entre Foucault et Deleuze. Es la grande différence entre Foucault Deleuze. Uh, Foucault n'est intéressé que par les considérations intempestives. A Foucault l'intéressent le seulement les considérations intempestives. La, la deuxième. La segunda. Le reste de Nietzsche. El resto de Nietzsche. Il s'en sert pas du tout. Il no y, y a très peu de références à Nietzsche. Il mu, y a très peu de références à Nietzsche. Uh, il fait la même chose avec Kant. Il fait la même chose avec Kant. Il y a deux choses qui intéressent Foucault chez Kant. Il y a deux choses qui intéressent Foucault chez Kant. C'est l'anthropologie. La C'est l'anthropologie. Et les textes sur l'histoire. Et les textes sur l'histoire. Le reste, il laisse de côté. Le reste, il laisse de côté. On pourrait dire la même chose. On pourrait dire lo mismo. De la lecture qui fait de Platon. De la que él hace de platón tous les textes autour de Socrate. Tous los textos alrededor de Sócrates. Euh, parce qu'il découpe. Para, porque ahí corta. Le Phédon, l'apologie de Socrate, Le Phédon, la apología de Sócrates, l'Alcibiade et l'Alcibiades. Un peu le Thétète. Et le Et c'est tout. Y esto. Etc. etc. Alors, je vous signale ce point parce que c'est intéressant du point de vue de la méthodologie. Le digo esto porque es interesante en, en el en el punto de vista de la de la méthodologie. Je, je reviens euh, euh, à la question de la différence. Volo entonces a esta pregunta, a esta cuestión de la diferencia. Cette différence, elle va devenir. Esta diferencia va convertirse, va devenir. Là, ce que Foucault appelle la différence possible. La diferencia, lo que Foucault llama la diferencia posible. L'attitude, c'est le travail de la différence possible. La actitud es el trabajo de la diferencia posible. Pas L'archéologie des différences passées? Non, la arqueología de las diferencias pasadas? Non, la généalogie de la différence entre le passé et le présent? Non, la genealogía de la diferencia entre el pasado y el presente. Mais la déclinaison de la différence en direction de l'avenir. Pero eh, eh, la declinación entre la diferencia y el avenir. Ce tournant va se faire à partir de deux points. Este giro se va a hacer a partir de dos puntos. Le, le premier point, il est d'ordre purement euh, lexical. Le primer punto es de, de un orden eh, puramente lexical. C'est une drôle d'opération linguistique. Es una una rara operación lingüística. Ça consiste pour Foucault à dissocier. Consiste para Foucault en disociar deux mots. Dos palabras. Qui étaient pourtant toujours identifiés et synonymes. Que en siempre estuvieron este, identificadas y fueron sinónimos. Et qui sont le thème du présent, d'un côté, et le thème de l'actualité de l'autre. On a l'impression qu'on a une sorte de découplage. Ser que hay una, una des, le présent, c'est le nom donné à l'état présent de notre représentation du monde. C'est le nom donné à l'état présent de notre représentation du monde. C'est-à-dire, à la lettre, l'isomorphisme épistémo-historique dans lequel nous pensons, nous agissons, c'est-à-dire le système de pensée qui est le nôtre à un moment donné, dans un lieu donné. En un dado, en un lugar dado. Nous avons tous un présent Todos tenemos un qui définit la manière dont nous pensons le monde la manera en la cual nosotros pensamos el mundo. Ce présent, il fonctionne sur la moyenne durée. Ce pensamiento fonctionne sur la media eh, eh, la duración media. Euh, c'est pas du tout un, le présent, c'est pas du tout un instantané de temps. Et le présent ne n'est no pas nada, un instantáneo de tiempo. Euh, je peux très bien dire par exemple notre présent. Puedo decir tranquilamente nuestro presente. Si nous pensons que nous euh, appartenons encore à la modernité, à la, modernité, si que, eh, aún à la modernité, ce qui n'est pas sûr, cosa que no está seguro, no es Mais faisons l'hypothèse. Si nous appartenons encore à la modernité, si, si à la modernité, notre présent commence au XVIIe siècle. C'est XVII. dans ce contexte-là que se forme nos représentations. c'est en ce contexte que se forment nos représentations. Exactement comme un homme du Moyen Âge Exactement comme pour un homme du Moyen Âge fonctionne dans un registre épistémique. Funciona en un registro epistémico. Dans un présent. En un présente. En Europe occidentale. En Europe occidentale. Qui fait partie de, de, de ce que Foucault appelle le paradigme de la pastorale chrétienne. Que forma parte de lo que Foucault llama el de la pastoral cristiana. Alors, on peut très bien discuter la valeur historique de ces découpages. Se puede discutir el valor histórico de esta de este de este corte. Mais mon euh, mon, mon, mon point ici. Pero mi mi, mi punto aquí. C'est plutôt de vous dire que présent est le nom d'une épaisseur historique. dire le temps est le nom d'un. Le présent historique. D'un ensemble de déterminations. D'un conjunto de déterminations. Donne forme à vos représentations, que le dan forme a vu, a à votre manière de parler et d'agir, et de vous rapporter à vous-même et aux autres. Le présent, c'est un effet de détermination. El, el presente, efecto de détermination. Et puis, à l'autre terme, et l'autre terme, c'est actualité. L'actualité, ben, c'est au contraire ce qui, n'importe quel moment la actualidad es al contrario aquello que à eh, n'importe no quel moment peut euh, interrompre cet étrange état d'équilibre du présent puede interrumpir este extraño estado de equilibrio del presente sur le fond d'une émergence historique nous sommes le fondo de una emergencia histórica donc on a un déjà là tenemos algo que ya está ahí un ya está ahí des savoirs et des pratiques, de los saberes y las prácticas, le présent, el presente, un déjà là de l'ordre du discours, un, un, ya, un, un, ya, un ya allí del orden del discurso presente, des représentations, des modes d'action, de las representaciones de los modos de acción, et puis on a de l'intérieur des déterminations, une interruption. y tenemos de, desde de, 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 quoi? Inter de l'intérieur de ces déterminations. De estas determinaciones, una interruption. Una interruption. Un basculement. Eh, un basculamiento. Et ça, c'est l'actualité. Y eso es la actualidad. L'actualité interrompt le présent. La actualidad interrumpe el presente. La différence possible. La diferencia posible. C'est cette différence là. Es esa diferencia. Foucault, attribue à, Kant Foucault le attribue à Kant non seulement d'avoir thématisé, thématisé philosophiquement le présent, mais d'avoir posé la question de l'actualité. La vous, vous, vous vous souvenez du texte kantien. La raison est parvenue à maturité. la, la maturité. Elle peut donc poser présent peut donc faire la question philosophique du présent. La del presente, mais Foucault redouble la question. Foucault la redouble esta, esta Et dit la question du présent. La question du C'est la question du diagnostic du moment auquel on appartient. La question pre, sur le diagnostic du moment auquel nous appartenons. Pour pouvoir l'interrompre. Pour pouvoir l'interrompre. Et le changer. Y et ça, c'est la question de l'actualité. Es la si on va voir le texte de Kant, la dissociation, elle n'y est pas. Si vamos le texte de Kant, esa disociación no existe. Elle est dans un autre texte. Le, está en otro texto. De Kant, mais pas celui-là. De Kant, pero no en ese. Et ça n'est pas un hasard si Foucault va aller le chercher. Y no es un azar que Foucault haya ido a buscar. Alors, avant d'y arriver. De a ese texto, Je voudrais simplement euh, dire, par euh, souci d'honnêteté, eh, que dans les deux commentaires de Foucault, il y a une certaine hésitation entre le présent hay una, una entre el et l'actualité, la entre la stabilité et le basculement, entre la y la stabilité. Ou plus exactement, il y a l'idée que nous sommes tout le temps dans un va-et-vient. Ou mais bien, nous sommes dans la idée que nous sommes toujours un, en, en un va-et-vient. En Entre va ces deux différentes qualifications. Entre deux différentes qualifications. De ce que peut être notre rapport. De ce que peut ser notre relation À l'état présent des choses. Al estado presente de las cosas. D'un côté, il faut faire ce que Foucault appelle. pour un lado, hay que hacer lo que Foucault llama une ontologie historique de nous-mêmes, c'est-à-dire un travail de diagnostic decir, de, de notre propre détermination, de nos pro et de l'autre, il faut faire ce que Foucault appelle. Une ontologie de nous-mêmes, une ontologie de l'actualité. Une ontología de nosotros mismos, una ontología de la actualidad. Vous voyez que historique a disparu. Histórico disparu. ven que desapareció. Le premier, c'est ontologie historique de nous-mêmes. Lo es nous ontología histórica de nosotros mismos. Le second, c'est ontologie de nous-mêmes, ontologie de l'actualité. El segundo es ontología de nosotros mismos, ontología de la actualidad. On a passé à la trappe l'histoire. Pasamos a la, la trampa de la historia. Entre les deux termes et dans la tension qui s'établit entre eux, entre en la entre ellos, Foucault est alors amené à construire un raisonnement est construir un qui est à la fois interne à la pensée kantienne la kantiano, et qui n'arrête pas de déborder la référence à l'Aufklärung. Du côté de l'analyse du présent, le, le commentaire de Foucault est, est encore très traditionnellement. Le commentaire de Foucault est uh, aún, est eh, eh, traditionnellement. linéaire. Eh, linéa, li, Mais le texte est très vite débordé par ce deuxième texte dont je vous parlais un texte rapidement ce second texte que je vous parlais il y a un instant. Euh, à la fin du commentaire du 5 janvier 83 donc le commentaire français comentario français euh, donc par cette deuxième référence cette deuxième référence de, de c'est le conflit des facultés et c'est conflicto de las facultades euh, précisément au moment où il s'agit d'introduire le basculement précisément en le moment en lequel se trata de introduire à ce basculement de l'actualité. La voilà ce que dit euh, Foucault. Esto dice Foucault. Je cite. Cito. Par la même, on voit que, de cette manière, on voit que, pour le philosophe, para el il est en train de parler de Kant. Está hablando de Kant. Poser la question de son appartenance à ce présent, la per, presente, ce ne sera plus du tout la question de son appartenance à une doctrine ou à une tradition. No sera más, para nada, la eh, son appartenance à une doctrine ou à une tradition. Ça ne sera plus simplement la question de son appartenance à une communauté humaine. No más la pregunta, eh, por su a a una humana, En général. En général. Mais celle de son appartenance à un certain nous. Pero aquella de su pertenencia a un nous. Un nous qui se rapporte à un ensemble culturel. Un nous qui se relaciona à con un conjunto culturel

la forme sujet la, la, la question de la forme sujet la pregunta de la forma sujeto sous sa variante collective une variante colectiva le, la, le premier problème du subjectif chez foucault del en foucault c'est toujours la forme du nous es siempre la forma del nosotros ça serait d'ailleurs vrai même quand foucault s'intéresse au rapport à soi sería hasta verdadero hasta cuando él se interesa cuando Foucault se interesa en la relación con sí mismo Lo digo porque hay lecturas muy individualistas de Foucault. Alors en réalité, ici, comme dans d cours, Aunque en realidad justamente porque en realidad tanto aquí como en otros cursos La cuestión del pregunta sobre lo subjetivo es siempre la pregunta sobre lo intersubjetivo. Je ferme la y ahí cierro el par paréntesis. Poser la question du basculement du nous. La nosotros, ça veut dire d'emblée poser la question de l'actualité comme question politique. Entonces, eh, eh, de sí la de Non, la question politique. C'est pas l'actualité politique. Ah, eh, comme mm -hmm. comme, una, comme la question politique. Euh, rompre le présent. Romper le presente. En instaurant un autre nous instaurando otro nosotros, que celui qui existe actuellement, c'est dessiner en pointillés, es uh, c'est esquisser en avant, es c'est faire eh, un, un diagramme, un croquis, un bosque-hard. Um, C'est esquisser la forme d'un sujet collectif qui n'existe pas encore. La forma un sujeto que no existe aún. Mais dont il s'agit de faire valoir la différence. Mais dont il s'agit de faire valoir la différence. Et c'est là qu'intervient la référence au conflit des facultés. Il y allí a interviene la référence au conflit des facultés. Dont Foucault dit explicitement Del cual Foucault C'est la suite du texte de 1784. Et 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 al texto de 1984. 1784. et eh, 1784. Donc il lit, va aussi ça au clair. Qu'est-ce que les lumières et le conflit des facultés comme les deux épisodes d'un même texte les deux textes comme les deux épisodes du même texte tant que que sont eh, que c'est l'illuminisme comme la eh, les facultés conflit des facultés um, cette lecture des deux textes ensemble de est à lecture des deux textes conjointement et chargée de de d'expliquer de, esta carga está encargada de expliquer le poids politique de l'opération. le de cette Et Foucault va le faire avec un terme? Et, va un et ce terme qui est un terme kantien, C'est le terme de révolution. c'est uh, à ma connaissance l'une des seules fois que Foucault utilise ce terme. Creo que eh, según, según que leído, eh, eh, la que, que Foucault utilise de terme. pocas que Foucault et c'est très étonnant de le voir le faire à partir de, Kant. partir de Kant. Et pas du tout à partir de Marx par exemple. No partir de Marx, exemple. Ce qui aurait été dans le climat de l'époque. Clima beaucoup plus facile. Bastante más fácil, ¿no? Alors voilà ce que dit Foucault euh... Esto dice Foucault il y a là un texte extrêmement intéressant. Hay allí un texto extrêmement interesante. Deux points et il cite le conflit des facultés. Donc maintenant c'est Kant qui parle. Ahora es Kant qui habla. Peu importe si la révolution d'un peuple plein d'esprit. Si de que nous avons vu s'effectuer de nos jours. C'est la révolution française hein, si está hablando de la révolution française, no? Peu importe si elle réussit ou si elle échoue. Si, eh, eh, un éxito o una, o un Peu importe si elle accumule misère et atrocité. Poco si, et si elle les accumule au point qu'un homme sensé. Si elle les, les accumule au point qu'un homme sensé. Qui la referait avec l'espoir de la mener à bien. Qui la referait avec l'espérance de la mener à bien ne se résoudrait jamais néanmoins Ne se ne no se ne no se résuelva nunca eh, aunque sin embargo à tenter l'expérience à ce prix et eh, tenter eh, intentar es la experiencia a este precio un tel phénomène dans l'histoire de l'humanité un, un tel fenómeno en la historia de la humanidad ne s'oublie plus no se olvida más parce qu'il a révélé dans la nature humaine parce qu'il révéla que dans la nature une disposition une disposition une faculté de progresser une facultad de progresar telle qu'aucune politique n'aurait pu tal que ninguna política hubiera logrado à force de subtilité a, la dégager du cours antérieur des événements à force de subtilité sutilidad eh, sacarla del curso anterior de los acontecimientos Fin de la citation de Kant

comme événement, pero como acontecimiento dont le contenu est inimportant. Del cual el contenido es poco importante. Son existence atteste une virtualité. Su existencia da cuenta de una virtualidad. permanente. permanente et qui ne peut pas être oublié. Y que no puede ser olvidada. Fin de citation. Fin de cite. Alors, la deuxième dissertation du conflit des facultés. Entonces, la segunda cita, la conflicto de facultades, euh vous vous souvenez peut-être à pour enjeu, se acuerdan quizás que tiene que ponen juego euh, le conflit entre la faculté de philosophie et la faculté du droit. Et le conflit entre la faculté de philosophie et la faculté de droit. À partir de la question à partir de la pregunta Y a-t-il un progrès constant pour le genre humain? Hay un, hay un para el Mais cette question-là est ici pliée Pero esta pregunta eh, se dobla à ce que Foucault lui-même cherche à dire. A lo que Foucault intenta decir et qu'il fait dire à Kant. Y que hace decirle à Kant. Peu importe qu'une révolution soit réussie ou pas. Peu importa si una révolution triomphe ou non. Peu importe qu'elle soit marquée de dérapage ou d'horreur, si peu importe qu'elle finisse paradoxalement par créer si termina, les conditions d'une restauration, la condition, restauration qui effracera les traces de la révolution. va borrar la, la, de la révolution. C'est ce qui s'est passé en France. Passé en France la révolution française et puis après il y a eu un siècle. La révolution française et puis après, il un siècle. De restaurations successives de, monarchie, de, restauration successive, de monarchies de dictatures. De restauraciones sucesivas de monarquías de dictaduras. C'est pas ça qui est important dans une révolution. No es eso lo que importa en una revolution. La révolution ça n'est pas un fait historique. La revolución no es un hecho histórico. Ça n'est pas une date ou un ensemble de circonstances. No es una fecha o un conjunto de circunstancias. Et peut-être c'est encore moins ce que Foucault appelle un contenu. Y quizás es aún menos lo que Foucault llama un contenido. À la limite, peu importe qu'une révolution soit bonne ou mauvaise. Al límite, poco importa que una revolución sea buena o mala. Heureuse ou cruelle. O o o o feliz. Juste ou injuste, réussie ou injuste, réussi ou raté, eh, eh, triunf, fracassada. Bien sûr que c'est important. Vale que Mais du point de vue philosophique, de vista filosófico, ce qui est intéressant, c'est que la révolution est importante parce qu'elle est toujours possible. La, la révolution, lo que es interesante es que la revolución es importante porque siempre es posible. Elle est une virtualité toujours présente. Es una siempre Elle est une bifurcation qui peut se vérifier à tout moment. C'est-à-dire qu'il y a toujours, à n'importe quel moment du présent, es decir, que hay siempre, no del presente, à l'intérieur des déterminations historiques, a, a de las la possibilité permanente d'une Discontinuité. La possibilité permanente de une discontinuité. La révolution, c'est le moment où le présent la, est brisé le, par l'actualité. La révolution es est le moment dans lequel le présent est heuré par la, por, por la uh, Je n'ai pas ici uh, inséré des références. No euh, à la révolution iranienne. La révolution Mais on est Irani. juste après. Pero justo luego. On, est, on est, quatre ans après. Años más tarde. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on va voir les textes de Foucault. Lo que es que si vamos a ver los de, de 78-79 sur la révolution iranienne. En réalité, Foucault dit exactement la même chose. Dice lo mismo. Uh, il dit. Dice, Partout où un peuple se soulève en cada lugar en el cual un se revela, contre un système d'oppression, nous devons saluer la différence eh, qui instaure un geste de, de liberté. Que ce geste de, de liberté donne naissance lui-même à une dictature. Le El sentido mismo a una dictadura. C'est ce qui s'est effectivement passé en Irán. Que es lo que efectivamente pasó en Irán. Y es terrible. Y es terrible. Et une autre Eso es una otra pregunta. La primera cuestión es: ¿il y a toujours la posibilidad d'une discontinuidad en la historia? La primera cuestión es que siempre está la posibilidad de una discontinuidad en la historia. Cette peut être bonne ou y esta discontinuidad puede ser buena bien, o mala. Et bien entendu, celle qui intéresse Foucault, c'est la bonne. c'est claro à dire la discontinuité de la liberté. Decir, la discontinuité de la liberté. Mais on ne peut pas savoir au moment où elle se produit Pero ce qu'elle sera dans le futur. va Et dans le cas de la révolution iranienne. Et dans le cas de la révolution ir iranienne. Il uh, y a un texte très fort de Foucault, de Foucault uh, qui est un texte uh, qu'il a écrit pour le journal le monde, un el, el le monde, au moment où il était attaqué par tout le monde, attaca, mundo, parce qu'il était clair désormais qu'en Iran, claro que, ahora, en Irán, on avait une théocratie qui n'était pas tellement.

un geste d'interruption, un geste d'interruption de, de l'oppression, de la oppression. vous auriez le courage de dire au moment où les gens se soulèvent, Tendrían le courage de dire en le moment mismo que la gente se se révèle ça va peut-être ah. produire, va qui sait, à produire une autre dictature, otra dictature. et donc, entonces, il faut baisser les bras. Que bajar los le texte s'appelle Inutile de se soulever. Point d'interrogation. Le texte se nomme Inutile de se révéler. d'interrogation. Je vous le dis sí, parce no, que es. c'est un texte qui a énormément circulé. Se lo digo porque es un texto que eh, eh, a circulado bastante. En Europe En Europa. Euh, dans les deux dernières années. En los últimos dos años. À partir de cette énorme discontinuité. A partir de esta enorme discontinuidad qu'on a appelé le printemps arabe la qu'est-ce qu'on fait devant un soulèvement populaire on dit c'est peut-être ce qui va amener le pire eh, eh, qui va le probablement ça va amener du pire puede ser, puede traer algo peor. mais peut-être pas no. c'est une discontinuité c'est une révolution une révolution alors je reviens à mon texte sur Kant. Foucault conclut. L'autre visage de l'actualité que Kant a rencontré, c'est la révolution. La révolution à la fois comme événement, la à la comme, comme rupture et comme bouleversement dans l'histoire comme commotion comme échec como mais en même temps comme valeur comme signe de l'espèce humaine como signo de la especie humana. les deux questions qu'est-ce que la, aufklärung? ¿Qué, qué, qué es la aufklärung? Et que faire de la volonté de révolution Et que faire de la volonté de révolution définissent à elles deux le, le champ d'interrogation philosophique qui porte sur ce que nous sommes, que de ce que nous sommes dans notre actualité. actualité. Qu'est-ce que c'est que notre actualité, Quel est, que est notre actualité Quel est le champ des Quel est le champ actuel des possibles. El campo de possibles Voilà la question, si vous voulez. La pregunta, si ustedes quieren. Qui correspond à cette troisième modalité de rapport à l'histoire. qui corresponde a esta tercera modalidad de relación con la historia. Que j'ai appelé l'actuelle l'attitude. Que yo llamé C'est celle-ci. Es esta. Quel est le champ actuel des possibles quel est le champ actuel de les possibles Au terme de ce parcours à travers Kant, à la de ce recorrido à travers de Kant, cette idée de la rupture que représente l'actualité Et ta idea de la ruptura que representa la actualidad de l'intérieur même des déterminations historiques présentes De l'intérieur même de las determinaciones históricas presentes Amène Foucault à repenser, Foucault à ou à faire retour sur le rapport, sobre la euh, que nous entretenons avec les Lumières. Que con Première chose. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Lo digo, pero lo voy a a decir. La critique ancienne est tiré hors de son lieu philosophique La critique kantiana est sacada de son lugar filosófico Au lieu de prendre la forme de la reconnaissance En vez de tomar la forma del reconocimiento De la limitation nécessaire de la connaissance De la límite li, necesario del conocimiento Que puis-je connaître? Que puedo conocer? Elle est entièrement réabsorbée es enteramente reabsorbida Remodelée remodelada à partir de la pensée kantienne de l'histoire. La, la critique, c'est le diagnostic sur le présent. La D'un côté. De un lado, et l'ouverture de la discontinuité. Et l'ouverture de la discontinuité. La, la révolution. De l'autre. Du coup, l'entreprise critique. Qu'on a traditionnellement considéré comme un processus de restriction que considérons traditionnellement comme un processus de restriction de limitation de limitation se transforme en une proposition d'ouverture se transforme en une pro, proposition de ouverture le champ actuel des possibles el campo actual de los posibles la révolution comme virtualité toujours présente dans l'histoire la revolución como virtualidad siempre presente en la historia alors ce, ce, cette lecture de kant est avec de kant va déchaîner Uh, entre la fin des années 70, va en, en, en final de los 70 et la mort de Foucault, la de Foucault et même au-delà, des, uh, des réactions va, va, va a a reacciones, reacciones chez les Kantiens et chez les néo-Kantiens d'une violence absolument. Uh, Terrible. De violence terrible. Et je pense en particulier. En particular à la manière dont Habermas et les abermaciens Ont pris cette lecture de, Kant. Esta lecture de Kant. Sur ce point, si ça vous intéresse. Este punto, si les interesa, uh, mais j'y reviendrai, uh, je pense, la fois prochaine. Pero voy a volver, quizás, mañana, pienso, il euh, y, y a deux textes extrêmement intéressants. Il y a un texte récent qui reconstitue toute la polémique entre Foucault et Abermas. Il y a un texte récent qui reconstitue toute la polémique entre Foucault et Derrida D'un côté, entre Foucault et Derrida. Entre Habermas et Derrida, De l'autre. Qui est un texte d'un philosophe et historien de la philosophie qui s'appelle Pierre Bourrette. Eh, C'est un texte d'un philosophe, philosophe historiador, un historiateur de la philosophie. Pierre euh, le livre s'appelle D'un ton guerrier en philosophie. El De, De Derrida et compagnie. Habermas, Derrida y compagnie. Et ça a été publié en 2010 chez Gallimard. C'est très intéressant parce que c'est la guerre. Muy muy, es muy interesante porque es la guerra. Deuxième texte qui est pas du tout un texte de euh, de, de de reconstitution. Qui n'est no pas là nada un texto de reconstitución. De la polémique. De la polémica. Mais un texte polémique lui-même. Es un texto polémico en sí mismo. Et c'est un texte de euh, du traducteur français. Es un texto del traductor francés. De de Habermas. De Habermas. Plus exactement du traducteur en français mais il était allemand. O pelo el eh, traductor eh, más específicamente traductor en francés aunque él es alemán. Euh, qui s'appelle Rainer Roschlitz euh, et c'est dans le, le gros livre un, 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 un gordo qui, Michel Foucault, philosophe Michel Foucault, qui étaient les actes d'une rencontre internationale sur Foucault en sur Foucault en 1988 de un, eh, euh, et le texte de Rochelit s'appelle Esthétique de l'existence. Le de la existencia. Moral post-conventionnel et théorie du pouvoir chez Foucault. Moral post-conventional teoría del poder en Foucault. Je reviendrai sur ce texte. Voya volveré a este texto. Je reviens à à la position foucauldienne. Vuelo ahora a la posición foucauldiana. Donc, déchaînement. Uh, de, de critique, uh, des encadenements, des critiques viol violentissimes des néo-cantiers, des à l'égard de Foucault, au eh, respect de Foucault. Et Foucault répond, et Foucault répond. Laissons à leur piété, dejemos ceux qui veulent qu'on garde vivant et intact l'héritage de la Aufklärung, mm -hmm. aquellos que quieren que guardemos viva e intacta et la herencia de Cette piété, bien entendu, la plus touchante des trahisons. Cette bien entendu, la plus touchante des trahisons. Tradiciones. Oui, oui. Tradiciones. Ce ne sont pas les restes de l'Aufklärung qu'il s'agit de préserver. No eh, C'est la question même de cet événement et de son sens. Es la misma de este y de su Alors, Vous voyez bien qu'on n'est plus dans un registre de fidélité. No más en un registre de On n'est plus du tout dans le registre de lhistoire no en et encore moins de dans l'histoire de la philosophie. On est dans la réactualisation d'une question. En la réactualisation pregunta. On est exactement dans le même type d'opération que celle que Foucault faisait à propos euh, des de cyniques. Euh, de, de cynique. Et cette euh, torsion, Et esta torsion est entièrement finalisée à la construction se termina enteramente, en la construction de ce dédoublement entre continuité historique de este desdoblamiento entre continuidad histórica, le présent el presente, et discontinuité <coughs> de l'événement la révolution l'actualité la c'est euh, entièrement finalisé à la réouverture de l'histoire en avant en adelante hacia adelante sur le bord pour ainsi dire sur les bords, pour ainsi dire, d'un aujourd'hui qui s'ouvre à ce qui n'est pas encore. Euh, là aussi, j'ouvre une parenthèse. Ahí voy a abrir un euh, il y a de très nombreux philosophes Hay à la même époque qui tentent de penser l'événement. Vous avez de l'événement chez Badiou, chez Deleuze herosière, herosière, etc., etc. il y en a d'autres Ce qui me semble intéressant c'est que chez Deleuze comme chez Badieu, es que, eh, la capacité d'interruption de l'événement la de interruption de est une sortie es de l'histoire. est une salida de la historia. On abandonne le registre de l'histoire. Se abandona el registro de la historia.

Non, une de la Chez Foucault, c'est pas comme ça que ça se passe. En Foucault, no es así como esto ocurre. Chez Foucault, l'événement, c'est ce qui interrompt le présent. En Foucault, el, el acontecimiento es aquello que interrumpe el C'est-à-dire l'état présent des choses. Es decir, el estado presente de choses. Les déterminations historiques qui existent. la determinaciones históricas que existen, Mais on ne sort pas de l'histoire. Pero no salimos de l'histoire. On ouvre l'histoire à ce qu'elle ne contient pas encore. Abrimos la historia a aquello que ella aún no contiene. C'est ça une révolution. Esa es una revolución. Révolution, révolution c'est une figure de l'histoire. Revolución es una figura de la historia. On casse Rompemos la permanence. La permanencia. De ce qui existait déjà. De lo que existía ya. Et on l'ouvre à ce qui peut exister. Y lo abrimos à aquello que puede existir. Dans l'histoire. En la historia. Mais on est toujours dans l'histoire. Pero estamos siempre la historia. Et ça me semble être là l'énorme différence, différence. entre Foucault et Deleuze. Entre Foucault et Deleuze. Euh, je ne parle même pas de Badiou. Pa ni si ni de Badiou. Qui me semble euh, encore plus différent. Me aún más Donc. Entonces, Foucault résume. Resume, Foucault. Et il est plus clair que moi, bien entendu. Je cite. Si, La critique c'est bien l'analyse des limites et la réflexion sur elles est el análisis de los límites y la reflexión sobre ellos mais si la question kantienne Pero, si la kantiana était de savoir quels limites la connaissance doit renoncer à franchir et la saber cuáles son los límites que el conocimiento debe renunciar a fra de franquear il me semble que la question critique aujourd'hui me parece que la cuestión crítica hoy doit être retournée en question positive. en question positiva, en positive. Dans ce qui nous est donné comme universel, nécessaire, obligatoire. En aquello que nous es dado como universal, necesario, obligatorio. Quelle est la part de ce qui est singulier, contingent et dû à des contraintes arbitraires? Cuál es la parte de lo que es singular, contingente y eh, dado a coyunturas arbitrarias? Il s'agit en somme de transformer la critique exercée Se trata, entonces, de la critique dans la forme de la limitation nécessaire en, la forma de la limitation en une critique pratique en dans la forme du franchissement possible. En la forma del franque possible. Ça, c'est le morceau de texte que j'avais déjà lu. Eso es lo que leí. Mais la il ajoute igual, pero ahora, eh, agrega, cette critique, esta critique sera généalogique. Sera généalogique En ce sens qu'elle ne déduira pas. En el sentido que no va a deducir. De la forme de ce que nous sommes. De la forma de lo que somos. Ce qui nous est impossible de faire ou de connaître. Aquello que nos es imposible de hacer o de conocer. Mais elle dégagera de la contingence, Pero de la contingencia, de ce qui nous a fait être ce que nous sommes, de lo que nos hizo ser lo que, no, lo que nosotros somos, la possibilité de ne plus être, la posibilidad de no ser más, faire ou penser, hacer o pensar, ce que nous sommes faisons ou pensons, lo que somos hacemos o pensamos. Voilà. Vous voyez comment vous voyez comment on pose la question de l'ouverture de l'histoire. C'est en cuenta como aquí eh, hacemos la pregunta sobre la apertura de la historia. cesser d'être de faire. Dejar de hacer, de hacer, de et ser, de, 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 de hacer y de penser. A la manera dont nous sommes, faisons et pensons. A la manera eh, la manière de la cual nosotros somos, pensamos y hacemos. Ça implique un travail sur soi. Implique un travail sur si même Et là, on a la dimension éthique. Y acá está la dimensión ética. Mais ça implica aussi un travail dans la aux Pero implica también un trabajo en la relación con los otros. La du nous. Es la pregunta sobre el no, la cuestión del nosotros. La y acá estamos en la dimensión política. Et la, la ética en La y la política son en realidad. Los dos nombres de esta modalidad de la relación con la historia. Excusez-moi, vous avez des moustiques. Je ne voulais pas que vous soyez attaqué par les moustiques. Mm. Euh, ces deux noms, nombres, éthique et politique, ético y política, sont les deux noms d'une philosophie de l'attitude. Comme ouverture de l'histoire, comme ouverture de l'histoire, à ce qu'elle ne contient pas, à ce qu'elle que ne no contient pas. Philosophie de l'actualité. Philosophie de l'actualité. Donc, il s'agit d'une pensée de la rupture. C'est à un pensamiento de la ruptura, du franchissement, del fran lafranqueamiento, de l'interruption, de la interrupción. Et ça, c'est le côté négatif. Y es el lado negativo. Mais il s'agit aussi d'une ouverture positive. Pero también se trata de una una apertura positiva. Vous vous souvenez que Foucault disait. Retourner la question en une formulation positive. Il faut lire cette rupture, ce franchissement. Aussi comme un processus de constitution. Aussi comme un processus de constitution. Constituer la différence par rapport à aujourd'hui. Constituer la différence par rapport à aujourd'hui. Produire de la différence par rapport à aujourd'hui. Producir la différence con respecto al Inventer de la différence par rapport à aujourd'hui. Inventar Cette invention, cette constitution. Esta invención, esta constitución. Cette positivité. Esta positividad. C'est une pratique. Es una práctica. C'est, pour reprendre un terme que Foucault utilisait en parlant des cyniques. Es pour retomber un terme que Foucault utilisait en parlant de los cynics, et sur lequel je vais bientôt revenir, y sobre voy a, a une épreuve. Una prueba. Cette épreuve, ce n'est pas seulement le refus de l'état présent des choses, non seulement eh, eh, la negation de l'état présent de las choses. Ce n'est pas non plus une manière d'ignorer l'histoire. No Il ne s'agit pas de dire l'histoire n'existe pas. No, se trata de decir, la no existe. Il ne s'agit pas de dire nous ne sommes pas les produits de l'histoire. No, de C'est no précisément parce que nous sommes les produits de l'histoire que nous devons reconnaître ces déterminations que esta, sus et les dordre à ce qu'elles ne sont pas. Il si a tort sert à que no son. S'il n'y avait pas d'histoire, il n'y aurait pas de révolution. Si no hubiera historia, no habría revolución. Si n'y avait pas de détermination historique, il n'y aurait pas de liberté. Si no hubiera determinaciones históricas, no habría libertad. On est aux antipodes des pensées de la liberté. Estamos las, en las antípodas de los pensamientos de la libertad. De type sartrien. Del tipo sartriano. C'est pas du tout une expérience de la contingence. Esto no es una experiencia de la contingencia. C'est pas du tout une expérience temporelle de l'être pour la mort. Mais esto no es para nada una experiencia temporal del ser para la muerte. C'est une expérience de la puissance politique. Es un una experiencia de la potencia política, del poder de la política. Dernier point. El último punto. Euh, quand Foucault dit ce travail critique. Cuando Foucault dit ce travail critique est archéologique, il est généalogique, es es et puis il est la forme du franchissement possible. On a la réponse à la question que je posais hier. La a la que hice ayer. Vous vous souvenez, j'avais dit est-ce que, est -ce que cette troisième modalité du rapport à l'histoire, est-ce qu'elle élimine les deux précédentes on avait l'impression, hier, que, on sortait de l'histoire. Parecía, que salíamos de l'histoire. Et que, du coup, on jetait tout le travail archéologique et généalogique de Foucault. Et que, entonces, había que tirar que, eh, tout le travail généalogique et archéologique de Foucault. Alors qu'en réalité, Foucault dit, il faut d'abord être archéologue. Eh, réalité, Foucault dit, est qu'il hay que ser, antes que nada, archéologue. Pour devenir généalogiste. Para, eh, convertirse en généalogiste. Et il faut être généalogiste. il hay que ser généalogiste pour pouvoir passer à la pensée de la Révolution. Para poder pasar a la révolution. Vous avez comme une sorte de cheminement propéudéutique. Commencez par vous demander la différence entre les différents passés. Por la de la entre los et vous pourrez penser la différence entre votre présent et ce qui l'a précédé. La différence la différence entre le. La différence entre La différence entre le présent et ce qui l'a précédé. Si vous avez pensé la différence entre le présent et ce qui l a précédé, si pensaron l'a précédé, alors a vous pourrez penser la différence entre le présent et ce que le présent n'est pas encore. C'est-à-dire l'actualité. Donc, on a comme une sorte de programme. Tenemos entonces una especie de programa. Dernière chose, et puis on, on s'arrêtera pour la discussion. Última cuestión y ahí paramos para para discuter. Ce, ce franchissement dont parle Foucault. Este franqueamiento del cual habla Foucault c'est un terme qui avait déjà émergé dans la pensée foucauldienne. Que ya había, eh, eh, en el dans les années 60. Et en particulier sous l'influence de Bataille. Y en particular sobre la de Bataille, Dans ce texte absolument incroyable. Qui était un hommage à Bataille. Que era un a, a Bataille qui s'appelle Préface à la transgression. Que se llama Epifacio la transgresión. Est un texte de 1963 publié dans Critique. Que es un texto de 1963 publicado en, en Critique en la revue Dans ces années-là, En esos años. Euh, la transgression, la transgression était pour Foucault la forme du franchissement possible. Era et para Foucault la forma del franqueamiento posible. Et en même temps, par rapport à la formulation dont on vient de parler, même temps, à la formulation que, de laquelle venimos hablando, on a une image totalement inverse. Qu'est-ce que c'est que la transgression C'est la transgression, transgression d'une limite. limite. Mais qu'est-ce que c'est qu'une limite, limite? C'est quelque chose qui se déplace en fonction des transgressions. C'est quelque chose qui se déplace en fonction des transgressions. Donc c'est un rapport totalement dialectique. Entonces es una relación totalmente dialéctica. Là où il y a une limite, il y a de la transgression. Así, onde hay una límite, hay un límite, hay una transgresión. Là où il y a, de la, transgression, il y a de la transgression, il y a de la confirmation de la limite. Y así, onde hay una transgresión, hay una confirmación del límite. Cette circularité Et ta circularidad euh, était pour Foucault Et era para Foucault euh Très rapidement devenu une sorte d'impasse. Se eh, eh, d'impasse. Sí, dans le modèle du franchissement. De, de, 1984, de 1984. On est dans un modèle totalement différent. Un totalement on est dans une histoire. En una historia, on en est déterminé. Mais l'expérimentation du franchissement ne confirme pas l'histoire. No Elle ouvre à autre chose dans l'histoire. Elle est pour ainsi dire sur le bord de l'histoire. Eh, Et le mot que Foucault l'expression que Foucault utilise à ce moment-là est assez euh, étonnant est assez étonnant. dit, on a là une attitude expérimentale. Tenemos aquí una actitud de experimental. Il s'agit d'expérimenter sur le bord de l'histoire. Se trata entonces de experimentar sobre el borde de la historia. C'est presque une sorte de bricolage. Et quasi comme un bricolage. <laughs> De l'intérieur même des mailles de l'histoire, c'est une pratique, c'est un faire, c'est euh, un, un, un agir sur soi es un sobre sí et sur l'état présent des choses. Y sobre de las cosas. Et Foucault dit c'est une épreuve historico-pratique. Historico On a donc nous avons ici, donc, une manière très forte l'introduction de deux lignes de travail. La introduction de deux lignes de travail qui sont deux lignes que j'avais déjà introduites au moment où je parlais des cyniques. Que sont deux lignes que j'avais introduites au moment où je parlais des cyniques. Sur quoi va s'appliquer cette expérimentation Sur lo quál va aplicarse esta experimentación. Quelle va être la matière de cette expérimentation Va ser la la materia de esta experimentación. Le rapport à soi, d'un côté et la relation con si sí de mismo de un lado et les manières de vivre de l'autre et las maneras de vivir del otro subjectivité subjectivité et modes de vie modes mm. de vie et là vous voyez pourquoi est-ce que ça intéresse Foucault chez les grecs Y ahí, ustedes se en cuenta qué Foucault s'intéresse à los griegos. vous voyez à quel point la lecture de Kant et la lecture des cyniques et de manière parallèle porque, ven porque, eh, la de Kant et la de los cynicos, se la manière parallèle. C'est presque comme si Kant était un cynique du XVIIIe siècle comme si Kant faisait un cynique ce qui est absurde parce qu'il n'y a personne de plus traditionnel. Et le truc c'est absurde parce que il n'y a nadie plus tradicional. mesuré, medido et régulier du point de vue des modes de vie. irregular del de vista de los de vida. Que Kant, que Kant. Vous le voyez pas dans son tout nu dans son tonneau euh Non, c'est imaginer en su, en tonneau euh, ou en train de se masturber en public. Au moins en public. Mais en même temps, le parallélisme, il se fait sur l'expérimentation. Pero al mismo tiempo se hace este paralelismo sobre la experimentación. Alors, c'est sur les modes de subjectivation qu'il va falloir maintenant s'arrêter. Euh, ce que je vous propose, je ne sais pas si... ça va. j'ai encore un quart d'heure pour le... Ce que je vous propose, c'est... C'est simplement d'introduire le thème de, la subjectivité, de introducir simplement thème de la subjectivité. Et puis je m'arrête, on discute. Et eh, puis je m'arrête, on discute. Et on reprend sur la subjectivité demain. Sobre la subjectivité euh, je ne vais pas revenir sur la manière dont Foucault a introduit la subjectivité. La subjectivité à partir du début des années 70. A partir de, los de, de los años 60 70. On en avait parlé hier dans les questions. En las euh, ce qui me semble très important. Lo que me c'est que le projet de détruire la forme sujet de la tel qu'elle se présentait dans la philosophie classique como se presentado en la classica, ce que Foucault appelle lo, la pensée de Descartes à la phénoménologie est évidente es mais en même temps Pero al mismo tiempo, Foucault ça n'est pas le structuralisme el Foucault no es le structuralisme c'est-à-dire qu'il y a de la subjectivité. subjectivité. Elle est simplement historicisée. C'est-à-dire eh, qu'à chaque époque, que cada época, correspondent des manières de construire le sujet. Una de construir des manières de construire le sujet. manières de construire le sujet. Par objectivation ou par subjectivation À eh, eh, travers de l'objectivation ou la subjectivation. Et donc, il va falloir faire une enquête. Y entonces, va haber que hacer una sur les histoires des modes de subjectivation. Sobre las de los modos de subjectivation. Et c'est ce que Foucault fait dans les années 70. Y lo hace en los 70. Alors, ce travail-là, Fou Foucault le reprend. Eh, Foucault lo dans les années 80. En los años, eh, 80 en disant si le sujet est à la fois construit par les autres dicendo che sì si il soggetto è costruito en même temps par les autres et dans un rapport à soi y in una relación con sí mismo toujours les deux aspects siempre los dos aspectos quelle est la marge de liberté qual è marge de libertad que l'on peut introduire pour expérimenter la forme sujet che se le peut eh, introducir pour expérimenter la forme sujeto nous sommes très concrètement pleins de formes sujets constituées. Estamos eh, muy concretamente eh, eh, llenos de formas de sujeto constitué. Constituidas dont nous avons hérité, que hemos heredado, qui appartiennent à notre épistémée Que pertenecen a nuestro episteme. Et dont nous oublions de penser que ce ne sont que des figures historiques. Y de las cuales nos de pensar que son nada más que figuras históricas. La forme individu la forme individu, la forme citoyen, la forme ciudadano, la forme classe, la forma clase, la forme peuple, la forma pueblo, la forme nación, la forma nación, etc. 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 Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. No quiere decir ici qu'il n'existe no Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. No, no no ça veut dire que chacun de ces mots. quiere decir que cada una de estas palabras ha été construida a un moment de fue construido en un momento de la historia y en, en, en un lugar de la historia Il est evidente, une es evidente y ahora abro una, un paréntesis que, très souvent parle de peuple, que seguido cuando hablamos del pueblo y en los debates recientes sobre todo aquí alrededor del tema del populismo parler ici et parler à Paris ou à berlin ou à londres oculisme qui à paris à berlin ou à Londres des populismes c'est à dire de peuples et des de pueblos ça n'est pas la même construction politique no et épistémique. not la mismas constructions politiques épistémiques tout cas pas exactement non exactement parce que une chose est la pensée philosophique pour une cosa c'est le pensamiento filosófico, la pensée politique moderne et le pensamiento político moderno. et une autre est la réalité historique à laquelle cette pensée politique moderne s'est confrontée. Y otra es la réalité la realidad eh, política eh, contemporaine à laquelle este pensamiento político non, se, confronta. Este pensamiento, eh, se confronta. Ese pensamiento histórico se confronta. Euh, ne sait pas comment. Ne sait pas. Euh, ce, ce que je veux dire par là, C'est que tout concept, es que todo concept de subjectivité, de subjetividad individuelle ou collectif. Individual o colectiva. Euh, implique un contexte implique un contexte implique une situation une la situación implique une fabrique una fábrica alors foucauld dit entonces foucault dice si nous réussissons à reconnaître si logramos reconocer c'est le travail du diagnostic et es el trabajo del diagnóstico les figures de la subjectivité la figuras de la subjetividad dans lesquelles nous formulons nos propres rapports en las cuales nosotros formulamos nuestros propios relaciones aux autres et à soi-même. À los otros y a sí mismo, Ça c'est ce qu'il appelle le présent. L'état, le déjà là des choses. Alors, sur la base de cette reconnaissance. Entonces, sobre las bases de estas nous pourrons peut-être essayer d'expérimenter. Eh, par différenciation à travers formes de rapport à soi et aux autres. Otras formas de a sí mismo y a los otros, Qui n'existent pas encore. No on est dans l'actualité. La et alors voilà ce qu'il dit. c'est eh, uh, uh, dans un texte américain où Foucault euh, répond en particulier aux néopragmatistes américains. Et à Rorty en particulier. A, a Rorty en particular. on est en 84. Estamos en 84. Richard Rorty fait remarquer que Richard Rorty habla y que dans ses analyses dans ses, ses analyses ces euh, ces analyses oui.

Et définissent les conditions dans lesquelles on peut la valider. Il définissent les conditions dans lesquelles nous pouvons validarlas valider. Valider pensamiento, validarlo. Validarlo. Mais le problème justement. justement c'est de savoir si effectivement c'est bien à l'intérieur d'un nous. C'est de savoir si effectivement c'est bien à l'intérieur d'un nous. nosotros. Qu'il convient de se placer conviene, eh, de, eh, pour faire valoir les principes qu'on reconnaît ou, ahí para hacer valer los que et les valeurs qu'on accepte. Et que ou s'il ne faut pas, ou, si no debemos, en élaborant la question, la pregunta, rendre possible la formation future d'un nous. Hacer possible la formation futura de c'est que le nous es que ne me semble pas devoir être préalable à la question. No me estar, deber estar à la Il ne peut être que le résultat no puede ser más que el et le résultat nécessairement provisoire, el provisoire de la question telle qu'elle se pose de la pregunta, tal como se, se ubica dans les termes nouveaux où on la formule. En los términos en los la formulamos. Fin de citation. Fin de citation. Très clairement, très banalement. Très clair, c'est clair, claro, le dit banalement. Nous, nosotros, c'est l'une des matières, c'est une des matières de las auxquelles doit s'appliquer cette virtualité de révolution à laquelle devait appliquer cette virtualité de révolutions des les révolutions expérimenter d'autres formes de nous expérimentar otras formas de nosotros et ça implique du point de vue de foucault implique esto del punto de vista de foucault la tentative de sortir de toutes les codifications la tentative de salir de todo tipo de codificación de ce qu'on a appelé les subjectivités collectives de lo que llamamos las subjetividades colectivas et c'est d'autant plus intéressant que c'est précisément le moment où Foucault relit. Qui est précisément le moment dans lequel Foucault lis. Re, oui, re, ah, eh, relit. Re, non, non, relit. No, eh, oui, il les a déjà lus. Il ah non, relit, donc. <laughs> euh, deux auteurs dont j'ai en partie parlé hier. de en Il y en a un dont j'ai en partie parlé hier. Un euh, Qui est Marx. Qui est Marx. Euh, qu'il cite un peu qu'il le cite un poquito Mal? Mal. Euh, puisque les, les notes sont fausses. Porque las la, las notas es, es, son falsas. Euh, et qu'il attaque d'un côté et qu'il le attaque por un lado et reprend de l'autre. Il retoma por el otro. Euh, le côté ou Foucault attaque Marx et le lado par eh, Foucault attaque Marx depuis longtemps depuis les années 60 Desde hace mucho tiempo desde los años 60 de l'analyse économique Et c'est l'analyse économique Et on connaît l'argumentation de Foucault Et conocemos el argumento de Foucault Marx a rien inventé Marx no inventó nada La pensée économique de Marx c'est du Ricardo la, la el pensamiento económico de Marx es Ricardo c'est l'économie classique Et la economía clásica Et il a il a raison il a du point de vue strictement économique. De un punto de vista estrictamente económico. Si vous lisez des textes du capital et le texte de Ricardo Et si tu lisez les textes du capital et les de Ricardo sur la valeur travail sur la valeur du travail Et sur le passage de la valeur d'usage à la valeur d'échange C'est pas ça, le passage valor de la valeur d'usage à la valeur de cambio. On a en gros du Ricardo. Tellement ma somme Ricardo. J'exagère un peu. Cercael <laughs> <Exagère> un poquito. <laughs> uh, et puis il y a l'autre Marx. Marx. Et Foucault dit, ça m'intéresse. Et, et c'est le Marx sociologue. C'est ce, celui qu'il appelle le Marx sociologue. C'est-à-dire le Marx qui analyse es decir, el Marx qui quoi? Que son présent. Le presente, ça le présent de Marx présent de ne veut pas dire que le présent de Marx c'est le présent de Foucault. No que le de, le de Foucault. Mais ça veut dire que le geste de Marx, que es que gesto de Marx peut être le geste de Foucault. C'est-à-dire regarder le présent et identifier les points possibles de, rupture. Et possibles de rupture. Alors, il est évident que la lecture que Foucault fait de Marx. Évidente, entonces, que la lecture que Foucault fait de Marx est totalement hérétique par rapport au marxisme orthodoxe de l'époque. Il n'y a plus de dialectique, ya no hay más dialectique. dans le matérialisme historique. Il y a simplement la possibilité de cette révolution virtuelle. Hay simplemente la de, esta virtual, de cette virtualité révolutionnaire. De esta virtualidad on a l'impression que l'histoire est en permanence suspendue Parece que à quelque chose qui pourrait la faire basculer dans autre chose a algo que puede hacerla a otra cosa. alors bien sûr on laisse de côté tout un côté de marx que, qu de, de, marx? que dejamos de lado de marx qu'est-ce qu'on laisse de côté chez marx la pensée hegelienne. hegelienne. c'est marx sans Hegel. Marx sin Hegel. Et bien sûr que c'est une opération de forçage. Y por que una, es una et, et, et bien sûr que ce n'est pas Marx. Y por que no es Marx. Mais ce n'est pas Kant non plus. Kant. Donc Foucault est en train de cuisiner tout ouais. cela un, un poco, todo eso, pour reformuler un matérialisme historique para reformular un non dialectique, no non téléologique. Non teleologique, no teleologique, et où les subjectivités ne sont jamais des conditions de possibilité. En donde la no son una condition de possibilité Du processus historique. Del proceso mais des produits du processus pero historique. Sont productos processus et ce passage de condition de possibilité à produits, de la de los productos. Explique par exemple que chez Foucault, il n'y a jamais le terme classe. explique pourquoi en Foucault n'a le terme classe. Ce qui intéresse Foucault chez Marx par exemple. Ce qui intéresse Foucault Marx par exemple, c'est pas du tout le prolétariat. Non, es est pas à nada de proletario. C'est ce qu'il appelle la plèbe. Et et ce qu'il appelle la, la plèbe. C'est-à-dire tout ce qui euh, n'est pas repris sous l'unification. Todo que lo que no está retomado por la unification. De la définition de classe. De la définition de classe. De définition de classe. Et donc Et donc Foucault dit du coup, il y a encore de la margeucault disait eh, eh, un mar il y a encore de l'espace il y a un espacio pour des inventions d'autres modes d'organisation invent modes d'organisation d'autres modes de relation d'autres modes de relations. Alors cette attitude expérimentale dont entonces, je parlais tout à l'heure cette attitude expérimentale de laquelle elle hablaba un son rato. Il me semble que dans le dernier Foucault, mais paraece que Foucault, elle se cristallise sur ce problème du sujet. Se cristalizan en este problema del sujeto. Expérimentons-nous nous-mêmes. Experimentem experimentemos à -nos a nosotros mismos. Parce que c'est un geste politique. Porque es un gesto político. C'est pas du tout, l'éthique n'est pas du tout un retrait du politique. La ética no es para nada un eh, eh, Retraso de lo político. La cuestión del sujeto es es la, de la, 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 del es, es la pregunta de lo político. Quizás me pa paro ahí. <laughs> y, guardo la suite por, uh, y dejo lo próximo para después. Para de mañana. Sí, que yo quería preguntar por la cuestión que también aparece después en el prefacio de la historia de la sexualidad, que también está muy vinculado justamente con esto de, la, de pensar otros posibles de pensar de otra manera posible y estaba leyendo la entrevista que él hace que le hacen el filósofo enmascarado filósofo mascarado donde habla de la curiosidad me gustaría que si lo podés vincular con eh, no sé lo, lo que más te puedas extender que me interesa el tema de la cuestión de la curiosidad y cómo él trata de buscar me parece incluso en, en pretendía fundar como nuevas instituciones para de, distribución de los saberes y bueno me interesaría saber más no sé Oui, je crois, je crois que c'est des textes qu'on peut très, tout à fait lire ensemble. Yo pienso que son textos que juntos. Euh, dans, dans le texte que vous citez, le philosophe masqué. Ahí en el texto que usted dice el filósofo enmascarado. Euh, qui, qui, qui est une reprise. Que, 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 que es, una, es una retoma. Ou une, une citation, euh, cita. une crypto-citation. Una criptocita, cita, una criptocita. Euh, quand Foucault dit qu'il qu avance lui-même masqué Cuando, euh, Foucault que euh, il, il cite Spinoza, lo que está haciendo es citar a Spinoza qui est un des auteurs qui ne cite jamais un, un cita, jamais l'autre auteur dont je voulais parler j'ai oublié d'en parler tout à l'heure je, je, en, en, en finissant Terminando... Je vous disais, il y en a un, c'est Marx. Marx. Et puis il y en a un autre. Ben, L'autre, c'est Spinoza. Bueno, autre Spinoza. Uh, Marx, il le cite de travers. Marx le cite rarement. Non, de travers. travers. Uh, fa mal. Mal, uh, oui, mal. Fal... mal traduit. Falso, Falsamente. Ah oui, c'est des fausses citations. Ce eh, sont uh, Et on ne peut pas uh, s'empêcher ne qu'il y a chez Foucault un jeu un jeu un jeu littéraire un juego literario. Euh, y, parce qu'il y en a qui citent bien Sartre il cite toujours bien. Sartre, il lo cita siempre bien mais ceux qui comptent ils citent mal, Pero lo que cuentan, lo cita mal. ou alors pas du tout o para nada. Et, o... et Spinoza il ne le cite jamais y si, y Spinoza no nunca. Donc, je pense que pour revenir à, à, au philosophe masqué, je pense que pour revenir au thème philosophe masqué, uh, ça, ça redouble la question. il que y a un premier niveau qui est uh, ce que Foucault nous dit. un que Foucault. Et Foucault nous dit. Vous devez expérimenter un rapport à vous-même. Et, es que et, et avec les autres. Con Donc, vous devez prendre en charge cette épreuve. Entonces, que a cargo esta, esta et puis, il y a un deuxième niveau. Y luego hay un, un nivel. Et c'est ce que fait Foucault lui-même. Et ce Foucault Comment est-ce qu'il fait lui-même pour prendre en charge cette expérimentation, cette expérimentation. Comment est-ce qu'on fait pour s'inventer soi-même lorsqu'on est professeur au Collège de France Lorsqu'on est l'auteur qui vend le plus depuis 1971 en de, France dans, dans les sciences humaines et sociales. les sociales. Les mots et les choses, 600 mille exemplaires. Les choses et les sont 600 mille exemplaires. Les et les choses. C'est compliqué comme question. On n'est pas obligé d'être Foucault nous ne sommes à Foucault. Mais comment est-ce qu'on fait pour s'inventer soi-même lorsqu'on est professeur Peut-on commencer, par exemple, par inventarnos a nosotros mismos mientras somos profesores Il y a rien de plus codifié qu'une relation d'enseignement. No hay cosa más codificada que una relación de enseñanza. Comment commence-t-on pour déplacer cette relation d'enseignement Comment commençons-nous pour déplacer cette relation d'enseignement C'est une question que Foucault se pose. C'est une on pregunta que Foucault se hace. Et sur laquelle je vais revenir bientôt. Y sobre la cual voy a volver pronto. Mais c'est une question que d'autres à la même époque se sont poser. aussi est une question que d'autres mêmes se hicieron en la misma época. Et je pense bien entendu au maître ignorant de Rancière. Je pense au, par supuesto, au maître ignorant de Rancière. Qui est un texte politique. Quel est son texto político Sur la réinvention de la relation. Sur la, ré, la, ré, la, ré, la réinvention de, de la relation. Ça c'est une expérimentation. ça est une expérimentation. Ça c'est un processus révolutionnaire. Et ça est un processus revolucionario. Il s'agit pas de détruire l'école. Non, s'agit pas de détruire la escuela. Il s'agit de la pervertir de l'intérieur. C'est trata de pervertirla desde el interior. C'est très socratique comme Et vraiment té Comme démarche. Comme comme on travaille C'est como... pour ça que Socrate est condamné à mort. Mais pour eso que Socrate est le condamné à mort. Donc vous voyez la subversion. C'est à quoi était la subversion entonces? La révolution. La, la revolución. Uh, dont parle Foucault. De la cual la Foucault. Et c'est une question uh, que implica, du de vista de Foucault, una estrategia. Y es una, una, una pregunta que implica, del punto de vista de Foucault, una estrategia. Él se Él se enmascara. ¿Pero cuál es entonces la máscara de Foucault? Perdonen que, que reinsista, pero sobre el tema de la curiosidad, que también que, que él habla, insiste como que es una, justamente como que la especifica como una cualidad. Que tendría justamente como una movilidad particular para no encasillarse, y es lo que me está reivindicando constantemente en varios textos de la época. Y como algo estigmatizado. Eso que usted está respondiendo a la pregunta. Perfectamente. Pero, en, este ¿sí? la se en ese caso, hay que preguntarse a qué la curiosidad se opone. No, no se opone. Non, non, ça pose. C'est-à-dire exactement. C'est-à-dire. Euh, si, si la curiosité, c'est le moment de l'actualité. Si es que la curiosidad es el momento de la actualidad. Qu'est-ce que la curiosité interrompt Qu'est-ce que interrompte la curiosité L'expertise. L'expertise. Par, Par el, exemple. Por ejemplo. Et ça, ça renvoie vers toute une autre série d'analyses. Euh, qui sont des analyses plus, plus antérieures. Que analyses et qui sont les analyses que Foucault fait avec Deleuze. Los, los que hace Foucault Deleuze de la fonction de l'intellectuel. Un intellectuel, il parle de deux manières. Un habla de dos Normalement. Avant Foucault-Deleuze. De et Deleuze, il parle comme un professeur de l'académie, de l'université, c'est-à-dire au nom de titres de et des compétences reconnues, et de reconocidas, première chose, ou il parle au nom d'une universalité habla en nombre de una qui est que tout homme que es, que todo hombre, fait partie de l'espèce humaine. Eh, c'est à de l'espèce humaine et que donc tout homme Entonces, todo hombre peut parler des autres et au nom des autres puede hablar de los otros o en nombre de los otros et l'intellectuel universel y el intelectual universal l'intellectuel engagé sartrien el militante sartriano il fait ça hace eso il parle pour les autres habla por los otros en lugar de los otros chez Foucault, les deux sont impossibles para Foucault, los dos son imposibles parler Dans hablar en la academia d'accord bien pero hablar en nombre de la academia Ça, ça n'est pas possible parce que ça veut dire ne pas interroger. No, no, no es no interrogar. L'ordre du discours qui est le vôtre. Es on a tous un ordre du discours. Un, un ordre uh, je ne sais, je sais pas en Argentine, en France. No on en, pero en On apprend à penser en trois parties. A a en partes. Uh, et moi, je pense que je rêve en trois parties. Y yo que eh, eh, partes. Tellement on m'a martelé depuis que j'ai dit

Euh, mais en même temps, ce qui est intéressant c'est de les reconnaître Pero lo que sí es de pas nécessairement les abandonner mais savoir que ça existe no Je sais que je suis déterminé par ce genre de choses voilà. Foucault dit je sais que je suis déterminé mais par fou. le fait d'enseigner au collège de le en collège de France il y enseigne. Elle. Mais il en est conscient. Pero está Ça c'est la première chose. Primero. La deuxième chose, qui Segundo, est l'intellectuel universel. Foucault dit je ne peux pas parler au nom des autres. Yo, Foucault Il n'y no a aucune universalité. No hay Toute universalité, elle est une production historique. Toda L'universalité, ça n'existe pas. No C'est une construction. Es una construction. Donc, de quel droit je peux parler pour les autres Pourquoi est-ce que je ne parle pas avec les autres ¿Por qué no hablo con los otros? Au lieu de parler avec, euh, à, à la place des autres. Et du coup, cette forme nouvelle d'intellectuel que Foucault et Deleuze ont appelé l'intellectuel spécifique, C'est un intellectuel qui ne renonce pas à être un intellectuel. Es un qui ne no Qui ne fait pas semblant d'abandonner le discours académique. abandonner le discours On peut aussi abandonner le discours académique. Mais ce n'est pas obligatoire ce qu'il faut c'est savoir d'où on parle et lo que sí importa es sa saber de lo que hablamos et mettre à disposition des autres sa propre position et poner a disposición de los otros eh, nuestra propia posición c'est-à-dire les, les moyens que l'on a es decir los que tenemos de d'accéder à la parole publique. Voilà, accéder à la à la à la parole publique. De faire circuler les idées. Voilà, hacer circular las ideas, et cetera et cetera. Et cetera et cetera. Alors, cette explication que je vous ai donnée, elle est un peu longue. Mientras esta explicación que yo le di a usted es bastante larga, no? Mais ça veut dire que la curiosité, Pero qué quiere decir entonces que la curiosidad, c'est votre droit et c'est sous derecho. à parler de choses que vous ne connaissez pas. A hablar de cosas que usted no conoce. Foucault parle des cyniques

il lit Spinoza et il le cite pas. Lee Spinoza et il ne le cite pas. Et je pense que c'est intéressant de notre point de vue. Je pense que c'est intéressant desde nuestro punto de vista. Dans l'université Parce que ça déconstruit le rapport à la philosophie. Porque se desconstruye la relación con la filosofía. Ou plus exactement, ça déconstruit le rapport à l'histoire de la philosophie. Eh, eh, la à la historia de la philosophie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de l'histoire de, eh, no, no no de la philosophie. Ça veut dire qu'il faut étudier l'histoire de, es que que de la philosophie. Pour en faire des instruments. Pour, hacer, crear útiles herramientas pour autre chose. Pour autre chose. una Primero la, la, sobre esto último que decías, me parece que hay un diálogo entre Deleuze y Foucault de, que aquí en español se publicó por Alianza hace muchos años, de las sí. primeras cosas que se publicaron en español, en donde hay una referencia a esta idea de caja de herramientas, sí. o sea, cierta actitud impúdica con las teorías, incluso creo que la metáfora que usan es un par de anteojos y cuando, cuando ya no sirven se tiran y se usa se, se busca otros. Me parece que, que algo de eso pasa con, con la cita espinosa o la no cita espinosa. No sé si, si respecto del, del parágrafo de la Gata Ciencia sobre conocer, Foucault en algún momento no cita a Espinosa a través de Nietzsche, pero efectivamente no lo cita. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer es sobre, sobre la, su relación con Marx. Porque efectivamente en el, en el texto que vos con, nos contaste, eh, en el texto. en donde Foucault habla a través de Cáncer sobre la Revolución. Kant dice que ese es un momento, y Foucault lo, lo asume como propio, de una posibilidad de autodeterminación de los hombres. Incluso más, dice que la revolución es, aquello, es aquel signo demostrativo, pronóstico, rememorativo que permite responder una pregunta que es si existe un progreso constante en el género humano. Y Foucault toma todo eso como válido, y entonces la pregunta es si eso no resuena a un Marx que seguramente no es el que a él le interesa, ni siquiera tampoco le interesa el de Althusser, pero sí que es un primer Marx, un Marx que habla de la autoemancipación, incluso un Marx que juega con el uso de la, de la idea de clase obrera, pero a veces abandona la idea de clase obrera y vuelve a la idea de género humano. Sí, no sé, es una absoluta intuición. Yo creo que es exactamente eso. Es drôle porque. Es a la fois el premier Marx. Es gracioso porque es al mismo tiempo el primer Marx.

que je, moi j'ai relu récemment ayer, et que que, que, euh, que j'avais complètement oublié. Comp complètement olvidado, et, et, et vous savez probablement que de très nombreux marxistes y, y, y algunos, marxistes ont tendance à éliminer le chapitre 6. El 6. Alors que dans le chapitre 6, il y a. Le retour sur l'autodétermination. Parce le chapitre 6, il y a le retour sur l'autodétermination. Tout ce retour sur la liberté. Tout ce retour sur la liberté. sur la liberté que les sujets ont de se construire eux-mêmes. La liberté que tienen los sujetos de construire à sí mismos. C'est du Foucault. Enfin, c'est très étonnant. C'est surprenant. Donc, ça, c'est la première chose. Et bien entendu, es l'anti-Foucault de ce point de vue-là, c'est Althusser. Claro Et l'anti-Foucault de ce point de vue-là, c'est C'est une des raisons. C'est une des raisons, selon mon point de vue. Eh, il faudrait le lui demander. Oh. Que ver, que pour lesquelles Balibar, Balibar Qui n'est plus altussérien depuis longtemps que ya no es hace rato, Mais qui demeure très fidèle à Althusser, ne supporte pas l'idée de la production de subjectivité. Non, la idea de la producción de subjetividad. De, de cette, de ce, de cette subjectivisation libre. De esta subjetivación libre. De l'intérieur même des déterminations. De la interior, del interior mismo de las determinaciones. Uh, donc ça c'est un premier point. primer punto. Le deuxième point qui est un, un point sur lequel j'ai travaillé. El segundo punto es que es un punto sobre el cual trabajé. Euh, et moi je trouve ça très intéressant, oui, je mais je ne sais pas si ça l'est réellement. C'est no si euh, le, la question de savoir à quel type de lecture de Marx Foucault se réfère à laquelle la, la Foucault se réfère, Et moi je, je pense qu'on a une généalogie assez claire. Et je pense qu'il y a une généalogie bastante claire. Bon, c'est mon hypothèse hein. Es mon mm. hypothèse. Et alors je, on en avait parlé l'année dernière, il me semble. Ah là mon seigneur, el año pasado me uh, parece. Euh, et, et qui est que Foucault a été es que l'étudiant de Merleau-Ponty. Faut, elle est de Merleau-Ponty. Et Merleau-Ponty c'est une figure bizarre. Merleau-Ponty c'est une figure, figure extraña parce que c'est un marxiste un marxista... de formation qui connaît extrêmement bien les textes de Marx, et, muy bien à Marx, et très radicalement, très profondément anticommuniste. Il est profondément, anticommuniste. Quand je dis anticommuniste, ça veut dire anticommuniste, communiste anti si vous quand, voulez. Cuando digo C'est pas le communisme comme idée, c'est le communisme, comme réalisation, est, le communisme comme, idée, comme réalisation dans les années 50. No es el comunismo como idea, sino como realización en 50. Merleau-Ponty est quelqu'un qui dit ça se passe mal en Union soviétique. Mais moi, je à quelqu'un qui dit que les choses ne vont bien en URSS. Il faut relire Marx. Il faut relire Marx. L'antidote, c'est Marx. et L'antidote, est Marx. Et vous avez une position radicalement opposée. une position radicalement opposée. De ceux qui superposent communisme et marxisme. De ceux qui superposent communisme et marxisme. Soit par ignorance du marxisme. c'est par ignorance du marxisme. Sartre. Sartre. Qui a lu très tard Marx, que muy tarde, Marx bien après Hegel et Kierkegaard, soit par haine du marxisme, sea por odio del marxisme. et vous avez Aaron. Qui est un immense, qui est un formidable connaisseur de Marx. un type qui connaît bien Marx. Mais qui passe son temps à dire on ne peut pas penser communisme sans marxisme et vice-versa. Qui no passe tout le temps à dire on ne no peut pas penser communisme sans marxisme eh, et vice-versa. Si vous prenez un livre comme Les Aventures de la Dialectique, et si vous prenez un livre comme, par exemple, Les Aventures de la Dialectique, de, de Merleau-Ponty, Merleau 1955, 55, vous avez un travail de Marx, de Marx à travers Lukács. Partir de Lukács, Le premier, Lukács, el, el premier Lukács donc celui d'histoire et conscience de classe. De l y de classe donc avant que Lukács redevienne. l'homme euh, de Moscou. Eh, un de Moscou. Uh, et vous avez une lecture de Lukács, Marx. Autour du thème de la subjectivité. Il y a des passages entiers de Foucault qui sont des, des, des de Foucault, qui sont des commentaires qui sont de Merlot et de, Lukács. de et Lukács et les deux ne sont jamais cités Pero los dos nunca los cita. et là je sors ma phrase euh, y mi frase, ma phrase mystère mi frase misterio, dans le dernier entretien de Foucault, en de Foucault euh, qui est paru qui apparaissait après la mort de Foucault, euh, de la de Foucault dans, un, dans une revue suisse en, en, en juillet en julio, 84 Foucault était mort le 25 juin 84, Foucault, muere 25 de junio, euh, Foucault dit Foucault Il y a trois types d'auteurs pour moi hay Il y a ceux que je connais et que je cite Il y a ceux que je connais pas et que je cite pas et puis il y a tous ceux que je connais et qui me servent pour le travail de tous les jours. Et ceux-là je ne les cite pas. Et no le Et quand je les citerai, ils ne me serviront plus. Et quand no me van a más. Donc on peut faire une cartographie de tous les gens que Foucault ne cite pas. peut une cartographie de toutes les personnes que Foucault ne no cite pas. La, la toute dernière chose, je suis désolé de répondre si longuement. Una, una, la dernière chose, pardon pour répondre si longuement. Euh, Merleau-Ponty est à l'époque lié avec socialisme ou barbarie parce que le disciple adoré de Merleau-Ponty c'est Claude, Merleau Claude Lefort dans la rédaction de socialisme ou barbarie il y a un groupe un qui va prendre forme va tomar forma et qui va s'appeler pouvoir ouvrier qui va s'appeler pouvoir ouvrier ce pouvoir ouvrier. Ese poder obrero, on a des traces de lettres et de correspondances et de contacts. Entre 1956 et 1963. Entre el 56 et el 63, avec une revue italienne. Con una, con una revista italiana, qui se crée en 1959. Que se crée en 59, autour d'une lecture hérétique de Marx. De una de Marx. Contre le Parti communiste italien. Quaderni Rossi. Cuaderni, eh, Cuadernos Rojos, euh, Mario, Tronte, Mario Tronti. Renato Panzeri. Tony Negri. Et on a le même lien. Y el, la, la misma vous, avez, vous avez la même lecture de Marx. Tiene la misma lecture de Marx. Eh, si podías ahondar un poco más en la relación foucault deleuze en su diferencia con el concepto de diferencia. La diferencia par rapport al concepto de diferencia. La diferencia. En el de diferencia. La diferencia. Sí. Sí. Es, es enorme. <laughs> es, una enorme es una pregunta enorme. Uh, yo, yo tengo la, yo la, tengo la impresión que no tienen la misma, misma formación. Euh, philosophique. Philosophique. Euh Deleuze il vient de la philosophie française. Et, et Deleuze vient de la philosophie française. Donc il vient de Bergson Donc ça vient de Bergson. Euh, essentiellement et, et Essentiellement. Et après il, il vient et c'est très étrange à et dire. Luego viene y dice, non, c'est très étrange à dire. Ah, est es, es rare de dire. De l'histoire de la philosophie. De l'histoire de la philosophie. Le Bergsonisme, c'est le, le Bergsonisme, petit livre sur Kant. Le petit livre sur Kant. C'est l'énorme travail sur Spinoza. Spinoza. C'est l'autre petit livre sur Spinoza. Et Et même jusqu'à la fin, c'est le livre sur Leibniz, etc., etc. El, el Leibniz etc., etc. Donc, on a un philosophe Deleuze, Tenemos, entonces, un philosophe Deleuze qui apparemment, dans la, dans la, dans la modalité d'écriture, dans l'ordre du discours qu'il construit, en el orden del que él ne respecte rien ne pas l'ordre du discours académique. No uh, les, les notes de Deleuze, Las notas de par, Deleuze par exemple, c'est un truc de fou. Il uh, y a une un, un collègue en France, en Francia, uh, Anne Sauvagnargue, Anne Sauvagnargue uh, qui est une excellente Deleuzienne, qui est une excellente Deleuzienne, qui fait un séminaire depuis des années sur les notes de 1000 plateaux. Y hace eh eh sobre eh, hace años eh una referencia sobre las notas, un trabajo sobre las notas de de las 1000 mesetas. Uh, elle en est à la cinquième année de séminaire. Et tu as ça un à ces 5 de séminaire tu as. C'est une machine de guerre contre l'ordre universitaire du discours. Es une máquina de guerre contre l'ordre orden universitario del discurso. Donc vous avez Plotin? Après, vous avez un livre de cuisine. Après, vous avez un film. Après, vous avez un livre de jardinage. Et après, vous avez à nouveau des commentaires savants. Donc, on a l'impression que le moins académique des deux, c'est Deleuze. Parece ser que le moins académique de los deux, c'est Deleuze. Et en même temps, il émerge de l'intérieur de l'histoire de la philosophie. Et au même temps, émerge de l'intérieur de l'histoire de la philosophie. Ce n'est que, que pas du tout Foucault. Lo que para nada de Foucault. Ça, c'est le premier point. Premier le deuxième point, me semble-t-il, c'est que chez Deleuze, la haine de l'histoire hegelienne, es que en Deleuze, la, el odio de la est tellement forte es tan fuerte, que la solution, ça a été de jeter l'histoire. La la c'est un peu comme jeter le bébé avec l'eau du bain. Eh, 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 le bébé avec l'eau du bain avec l'eau Ah, con el agua del, del baño también. quest Et qu'est-ce qui reste quand on a fait disparaître l'histoire Pour faire disparaître euh, l'égalisme français Il eh, eh, reste le temps. Tiempo. Tiempo. Et donc toutes les figures temporelles chez Deleuze. Entonces, Deleuze sont euh... En prennent prenne tout l'espace. L'événement, le, le, devenir, le devenir, sont des figures du temps. Del Mais ce ne sont pas du tout des figures de l'histoire. question sur la différence. Alors, votre question sur la différence. Entonces, le, le, la manière dont Deleuze formule le retour des différences, la manière en laquelle eh, Deleuze formule le retour des différences, différence et répétitions, différences et répétitions, est, est, est simplement une construction nietchienne, simplement une construction nietchienne, dans le temps. Toute l'analyse que Deleuze fait. L que Deleuze, la différence entre Ion et Chronos. Tout ça, ça concerne le temps. Con el Même sa lecture de, su lecture de Spinoza. Est une lecture dans le temps. Lecture en el Pas dans l'histoire. No Pensez au, au conatus. Pense C'est quoi le conatus? C'est la manière dont un être persévère dans eh, son être. la manière en la un, ser, un ente, et cette manière de persévérer dans son être Esta de en su ser, Deleuze la lit comme une permanence Deleuze la lit comme une permanence C'est-à-dire comme une sorte de d'éternité Est-ce que comme une espèce d'éternité c'est comme si l'éternité était devenue une figure du temps Comme si l'éternité hubiese convertie en una figura del tiempo On n'est pas du tout dans la transformation de l'histoire Non, tant aquí en la transformación de la historia para nada. Pour Foucault la Foucault la différence elle est toujours dans l'histoire la diferencia siempre está en la historia c'est pas une permanence no es una permanencia c'est une rupture es una ruptura donc il faut se salir les mains entonces hay que ensuciarse las manos ça veut pas dire que deleuze ne se salit pas les mains no, no quiero decir que deleuze no se ensucie las manos mais je pense que le plus académique des deux philosophes lo que yo pienso es que lo el más académico de los dos filósofos n'est pas celui qu'on croit no es aquel que pensamos en le livre sur de deleuze sur foucault, il n'y eh, de a, a quasiment pas de référence à l'histoire. à la Qu'est-ce que devient foucault pour deleuze? Qu'est-ce que, que, que devient Un cartographe. Un cartographe C'est l'espace, c'est pas l'histoire. pas ne es no no veut pas penser l'histoire. Il ne veut pas penser l'histoire. No quiere pensar la historia. Je voulais revenir un peu au thème de la révolution. Eh... si la concebimos como interrupción o eh, cambio en, el form, en la forma de vida, digamos, eh, en un comentario de la clase del 29 de febrero habla sobre los comunistas, como los comunistas pasaron de, ser, de tener una forma de vida revolucionaria a, en la actualidad en la que escribe, a reivindicar valores tradicionales en contra de la burguesía degenerada y, y los locos izquierdistas, como como ahí lo dice, etc. Eh, quisiera pensar esto en el marco de la creación, digamos, de la posible creación de, de lo nuevo que esta introducción pueda traer, eh, en el sentido de que pareciera, pareciera, tal vez me equivoco, que la institucionalidad eh, imposibilita estas nuevas formas de vida que, que Foucault quiere reivindicar en cierta medida. Entonces... ¿Dónde queda la creación eh, después de la interrupción, la institucionalidad, la administración, etcétera, todo lo que tiene que ver con la vía societal, la vía en común, eh, en el pensamiento, este pensamiento revolucionario de Foucault? Y pienso que esta posibilidad de inventar modos de vida, Foucault la, Foucault la experimentó. Y que y habla a partir de una experiencia. Um, et cette est expérience, c'est l'expérience des mouvements gays. Eh, de gays. Dans la deuxième moitié des années 70 en Californie. California. Et il y a des textes qui sont intéressants sur ce point. Hay que ce point, uh, où Foucault dit c'est quoi être gay Il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'identité. No hay il n'y a pas des ressemblances obligées. No Il n'y eh, eh, a pas de stéréotypes. Il no n'y a pas de type gay. No hay tipo gay. Et il dit même. Euh, C'est une invention de relations. Es una de pas forcément sexuelle. No necesariamente C'est même pas un choix sexuel. Es más, no es eh, une un, un okay. C'est simplement une invention de relation qui et fait disparaître est simplement une de que hace ou qui rend en tout cas secondaire toutes les autres déterminations. Les autres déterminations. Et il dit, si mes souvenirs sont bons, l'âge. Il dit, si me bien, la, edad, la classe sociale. La classe sociale. Euh, le, la couleur de la peau. Le Le capital culturel. Le capital cultural, Tout ça existe. Todo existe. Mais c'est es secondaire par rapport à l'invention de nouveaux modes de vie. Con respecto a la invención de los nuevos modos de vida. Alors la question que vous posez Entonces, la pregunta que usted hace en même temps elle est encore très vive parce que on peut la on peut la redoubler. Porque podemos redoblarla. La question, c'est comment est-ce que l'expérimentation de nouveaux modes de vie La es, entonces, de de fait pour ne pas être immédiatement réinstitutionnalisée no, eh, eh, Avec les mouvements gays, par exemple, on a eu, en particulier en, en Amérique du Nord. Comme les mouvements gays, exemple, eh, eu en particulier en, en Amérique du Nord. Mais pas seulement. Non une essentialisation, une essentialisation, une identitarisation, identi identitarisation très forte, très forte. On a, on a eu des modes de vie qui se sont fixés comme des normes. Tuvimos modos de vida que se fueron fijadas como normas. Le contraire d'une expérimentation. El contrario de una experimentación. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que une expérimentation, et comment hacemos para que una experimentación, éthique et politique, ética y política, demeure expérimentale. Se, eh, eh, siga siendo et pourtant comment est-ce qu'on fait pour que cette expérimentation ne soit pas simplement réservée à des avant-gardes no no et qu'elle concerne le maximum de gens et que, eh, la ma, la ma, de gente. sinon ce n'est pas une révolution sinon, no